constituer des équipes sous forme de qualification. Comment se passent les qualifications? À chaque fois à l'écran, il va y avoir une citation célèbre qui va être affichée. Si j'ai la bonne réponse, je me rejoins sur scène, intégrer une des équipes. Attention, compte à rebours. Le public, est-ce que vous êtes prêts? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play! Ah, on a le jeune homme en lunettes là-bas. Oui, le jeune homme en lunettes avec le chapeau. Et la première réponse, très facile, c'était cadeau. Les qualifications continuent. Attention, ouvrez le grand les yeux. Ah, le jeune homme là-bas, en blanc, avec la veste blanche, qui a les lunettes là, avec la veste des deux, si je ne m'abuse, c'est ça. Alors, on retourne vers le futur. Elle n'était pas facile celle-là, elle était vraiment pas facile, on peut l'applaudir bien fort. Retour vers le futur, monde de Zeus, la réponse en image, Mister Jérém, impeccable. Nous avons déjà le premier membre de la deuxième équipe. On va continuer les qualifications. Attention, ouvrez grand les yeux. Facile aussi celle-là, c'était cadeau. Hein. Ah, il y a des joueurs. Messieurs, dames, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre en ce moment même, ici sur la scène du Mangue Show, c'est juste le Mangue Porlé. C'est un jeu où nous faisons les qualifications avec des célèbres citations. Tout le monde peut jouer. Dès que vous avez la bonne réponse, vous levez tout simplement la main. Nous sommes en train de constituer des équipes en ce moment même. Et, Mister Jérém, nous continuons le jeu. Ah, le monsieur avec le casque et les oreilles de chat, juste l'homme violet. Terminator! Bien entendu, applaudissements s'il vous plaît. Ah, il y a des connaisseurs là. On a un public de qualité. On a le premier. On a à chaque fois un membre déjà des quatre équipes. Donc vous allez maintenant, ceux qui suivent, vont intégrer ces équipes-là. Quatre équipes de trois joueurs. Est-ce que vous êtes prêts, Mister Jérém? Nous avons Monsieur Potter devant, il a été très rapide, ça a été pour lui celle-là. Et facile celle-là, Toy Story. On aurait pu la laisser au petit, hein, celle-là. Bienvenue. Attention, Mister Jérém, on enchaîne tout de suite. On met grand les yeux. Ah, nous avons le monsieur en t-shirt blanc juste là. Ouais. Ils sont rapides là sur le côté, hein. Ceux qui sont debout ils ont un peu plus la pêche. On a le monsieur rasé juste là, le Seigneur des Anneaux, allez rejoins-nous. Ça va être chaud, il y a des équipes là, il va y avoir du niveau, je le sens, ça va chauffer. Mon précieux. Ah, ça a été cadeau, mademoiselle avec les oreilles de petit chaton. Star Wars, bienvenue, allez rejoins-nous. Ah, la prochaine. Elle est très difficile. On va... Ah, pas mal du tout, je suis curieux de savoir. Matrix, parfait. Ah, il y a du niveau aujourd'hui. Hein.
quatre équipes de trois joueurs qui vont s'affronter ici sur la scène. À chaque épreuve, il y a une équipe entière qui va sauter, c'est-à-dire qu'une équipe à chaque jeu va être éliminée. On les accueille bien fort, on accueille l'équipe numéro 1. Bravo. L'équipe des jeunes, très bien. Et là, l'équipe des roses, avancez-vous, avancez-vous. C'est très simple, c'est l'épreuve la. C'est-à-dire, comme vous pouvez le deviner, il va falloir maintenant chanter. Et bien sûr, encore une fois, le public, on ne va pas vous laisser en reste. Vous allez jouer avec eux, parce que ça va être très simple. Vous allez avoir quelques secondes par équipe à vous mettre d'accord. Vous allez devoir choisir deux chansons. Deux chansons que vous allez devoir fredonner. Il va falloir que quelqu'un dans le public devine de quelle chanson il s'agit. Vous allez choisir... Conservez-vous, vous avez 10 secondes, vous choisissez deux chansons que vous allez fredonner à chaque fois ensemble. Ils auront droit à deux réponses dans le public. Si au bout de ces deux réponses-là, vous n'avez pas trouvé la chanson, c'est malheureusement perdu pour eux. Une équipe va être éliminée lors de cette épreuve, messieurs, dames. Kodioko, Kodioko, hey!
tout simplement, il la qualifie. Est-ce que vous êtes prêts? Crash Bandicoot. Et c'est une bonne réponse, Crash Bandicoot.
bien sûr, au minimum, il va devoir leur faire deviner de quel personnage, de quel objet, même des fois, il s'agit. Ils n'ont pas le droit de parler, bien entendu, c'est un jeu de mime. Est-ce que tout le monde a bien compris? Alors, le temps, 1 minute 30 maximum par équipe, et il y aura 15 images. 1 minute 30 par équipe, 15 images. Alors, vous vous mettez d'accord pour l'ordre de passage. Mais si nous sommes tous les deux en train de mimer, celui forcément, du coup, qui était le suivant, passe pour mimer, et l'autre reste à sa place. Ainsi de suite, vous passez à tour de rôle, et vous revenez là. Est-ce que tout le monde a compris? Chaque équipe, vous avez bien compris les règles du jeu? Allez, très bien, vous pouvez déjà vous mettre en place. L'équipe des jeunes, qui commence? Ok, on demande exceptionnellement un petit, ils vont commencer. Allez les garçons, à vous le cœur. Alors le jeu du mime, les deux sont de dos, ils doivent faire deviner l'objet ou le personnage qui est affiché à l'écran. Si vous pouvez vous mettre l'un derrière l'autre, s'il vous plaît, vous deux, l'un derrière l'autre. Attention, le chrono, 1 minute 30.
serré, on avait dit qu'il y avait du niveau, ils sont arrivés à l'égalité parfaite. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour les départager? Les deux vont se mettre en même temps et vont devoir faire mimer le plus rapidement possible au membres de leur équipe la bonne réponse. Donc vous allez tout simplement refaire la même chose, mais en même temps, choisissez le meilleur mimeur de l'équipe. Même chose, choisissez le meilleur mime de l'équipe. C'est toi qui fais le mime, très bien. Les deux autres en face, quel est le meilleur mime? Bien, très bien. On se met dos à l'écran. Chacun va se mettre à côté de
celui à qui doit deviner l'âge. On se met face au public, s'il vous plaît. On se met face au public. Voilà. Rapprochez-vous. Voilà, par ici. Super. Une petite seconde, regardez-les bien.
On va devoir le faire sous forme de quiz. Quel âge avais-tu, jeune homme? 18. 18 ans, donc à 2 ans près. T'as donné 20 ans? 17. 17. Et juste en dessous, c'est incroyable. Applaudissements, s'il vous plaît, un courage bien fort. Merci les garçons, vous pouvez descendre. Question ultime, les garçons. Une simple question pour vous départager. De quel univers est tiré le jeu Dokkan Battle? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, et c'est une bonne réponse. Le grand gagnant, l'applaudit bien fort, et il prend la deuxième place, Monsieur Shakir. Et en troisième place, nous avons Monsieur Richard. Bravo les garçons, encore merci, c'était très dur de départager. On n'a jamais vu ça de très grands joueurs. Merci les garçons. Ce soir, à la grande soirée Grand Game Show, il y aura également des jeux.